Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on va lire un verset, le Shrimad Bhagavad Gita. Chapitre 4, verset 2. Evam parampara praptam himam raja shayo vidu sakaraneha mahatan yogo nashta parantapa. Traduction. Ô Arjuna, c'est de cette manière que les saints reçurent cette voie du yoga à travers une succession de maîtres à disciples. Mais il semble qu'après une longue période de temps, cette connaissance se soit presque perdu en ce monde. Commentaire. En ce monde, tout savoir spirituel est interprété, à moins qu'il ne soit véhiculé par de purs dévots, à travers une filiation spirituelle authentique, reconnue du Seigneur Krishna. Il semble qu'à un moment, par le désir du Seigneur, le savoir de la Bhagavad Gita se soit perdu. Om Agana Timilam Dasya Ganam Jalam Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasmaye Shigurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Un jour, il y avait un roi, et il était entouré de ses ministres, de ses serviteurs. Et son ministre, ça faisait 10 ans qu'il le servait vraiment d'une manière parfaite, et il était vraiment au sein du royaume comme un premier ministre vraiment respecté. Et un jour, il a commis une erreur. Et à ce moment-là, le roi, il a demandé à ce qu'on le mette dans un enclos et il se fasse manger ou attaquer par des chiens féroces, 10 chiens féroces. Le premier ministre, il a joint les mains, il a dit au roi, s'il te plaît, ça fait près de 10 années que je te sers avec le plus grand soin, s'il te plaît, accorde-moi 10 jours de répit. Et après, j'accepte avec volontiers ta sanction et j'irai dans l'enclos avec les chiens. Et le roi a dit ok. Et donc le premier ministre, il est allé voir la personne qui gardait les chiens et il lui a dit, oh s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre de garder les chiens pendant un certain temps? J'aimerais bien faire ce service. Il a été surpris, c'est le premier ministre qui vient lui demander, il n'était pas au courant de la sanction du roi. Il était un peu surpris, il a dit, ben, bon, il doit s'ennuyer au royaume, il ne sait pas trop quoi faire. Ok, bon, il lui laisse la place. Et donc le premier ministre, il avait l'habitude, avant d'être engagé par le roi, de s'occuper des animaux. Donc ce qu'il a fait, pendant ces 10 jours, il a commencé à prendre soin des chiens. Il leur a donné à manger, il leur a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Il les a servis 24 heures sur 24. Et au bout du 10e jour, le roi il est arrivé. Et donc il a appelé le premier ministre et dit, voilà, l'heure est venue pour toi d'aller te faire attaquer par les chiens, qu'on le jette dans l'enclos avec les chiens. Et à ce moment-là, quand ils l'ont mis dans l'enclos, tout le monde a été surpris. Parce que les chiens, ils avaient pour habitude d'être vraiment très féroces. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans l'arène, ils l'attaquaient, ils le mordaient partout. Et là, ils se sont jetés dessus, ils ont commencé à lécher,
à lui faire des câlins. Et tout le monde était surpris de ce qui s'était passé. Et le roi, il a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'attaque pas? Tout de suite, le premier ministre, il allait voir le roi, il a dit, au roi, ça fait 10 années que je te sers avec beaucoup de dévouement. Et j'ai fait une erreur et tu m'as demandé de me faire sanctionner de la sorte. Et là, simplement en 10 jours, j'ai servi ces chiens avec beaucoup d'amour et d'attention. Et regarde comment ils me traitent. Et le roi, il a été touché par les paroles du premier ministre. Et les mains jointes, il lui a demandé pardon. Et de nouveau, il a repris le premier ministre à son service. De la même manière, nous aussi, on a différentes relations dans ce monde avec différentes personnes, que ce soit notre famille, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, notre femme, notre mari. On a différentes relations et souvent on a cette tendance à garder en mémoire juste l'erreur qu'une personne a pu faire dans cette relation qu'on a avec elle. Et oublier tout ce qui s'est passé avant, tous les services qu'on a pu rendre à cette personne ou recevoir de cette personne. Et c'est quelque chose qui est important, de pouvoir réaliser à quel point les personnes qui sont autour de nous sont des personnes précieuses. Certes, qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas commis une erreur dans sa vie? Levez la main. Tout le monde fait des erreurs. C'est même la nature même de ce monde, c'est expliqué dans les Védas, c'est la nature même de ce monde que de commettre des erreurs. On est comme poussé à faire des erreurs. Quotidiennement, à chaque minute, on fait des erreurs. Tous les jours, on fait des erreurs. Que ce soit verbalement, à travers nos actes, à travers nos pensées, on commet des erreurs. Mais est-ce qu'il faut, comme le roi, se châtier les uns les autres indéfiniment des erreurs qu'on a faites et oublier toutes les bonnes choses, tous les services que la personne a fait? Et le Seigneur Krishna, lui, n'oublie jamais. Chaque pas qu'on a fait vers lui, chaque service qu'on a accompli à son égard, c'est gardé dans notre compte en banque spirituelle. Et c'est comme un crédit transcendantal qui est acquis. Même si on a fait des erreurs, Krishna, il n'a pas oublié tous les services qu'on a fait depuis des milliers de vies. On pense juste à cette vie, mais on a aussi nos vies passées où on accomplit différents services directement ou indirectement au Seigneur. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui face au Ananda et Yashoda Gopal dans leur forme personnelle du Seigneur. On a dû accomplir des actes pieux dans nos vies passées. Et personnellement, je connais une personne dans mon entourage, ça fait plus de maintenant 7 ans, comme le roi. Il a eu un entretien avec une personne, et indifférent, il y a eu une sorte de querelle, entre guillemets, verbale. Et à ce moment-là, la personne, elle garde cette chose-là dans le cœur, même après 7 ans. Donc, c'est un principe qui est important de pardonner. Allez, go, go, go. La verre est claire.